Hi guys, welcome back to my channel. Ah, je suis gênée. Ok, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le fameux haul. J'avais trop la flemme de le faire, ça fait 4 jours que je dois le faire, je ne l'ai pas fait. Aujourd'hui je le fais, seule différence c'est que ma soeur elle voulait pas trop participer. Donc du coup elle est derrière la caméra et elle va noter les tenues. Parce que du coup je vais les porter. Bonjour. Je vais les porter et du coup elle va les noter. Donc sans plus tarder, on commence avec la vidéo. Du coup, nous avons ce sac cabas rempli de vêtements. Et ça, c'est que moi. Ça, c'est que moi. N'imaginez même pas ma mère et ma soeur. Du coup, premier article. Donc, pour les références, dites-vous que c'est Seiya pour la plupart ou Zara. Là, en l'occurrence, c'est Seiya. Du coup, c'est une jupe. Alors, dites-vous, je porte jamais de jupe. Hein. Je porte jamais de jupe. Mais celle-là, je l'ai trouvée trop belle. Il y a une fente là. Et je l'ai mise pour un post Insta. Donc, je pense que vous l'avez déjà vu avec le haut manchon noir. Mais on va l'essayer. Taille 38. Du coup voilà, première tenue, la jupe avec du coup le haut en question, c'est aussi Seiya et c'est PP, parce que là-bas les tailles c'est genre P, PP, G, GG, enfin bon. Mais c'est en mode XS, disiez-vous. Pourquoi je dis disiez-vous? Oh là là. Ah oh. Du coup c'est du XS, dites-vous. Voilà, du coup ta note. Je mets un 8 sur 10. Pour le haut et le bas. Ouais, 8,5 pour l'ensemble. Ok, bon, vous pouvez mettre vos notes en commentaire, même si je sais que personne fait ça. Mais c'est juste pour faire en mode. Ouais. Du coup, deuxième outfit, c'est une autre jupe. Oui, j'étais motivée à porter des jupes. Toujours Seiya, toujours 38, et je la trouve trop belle. Franchement, elle est grave à l'aise. Une 7 note sur 10. 7 sur 10. Mmh. Ok, et vêtement, troisième, je crois, je sais plus trop. C'est un short, toujours Seiya, cette fois-ci en 36, et il est un petit peu serré. Parce que j'ai une manie en fait de pas essayer les vêtements. Et il est un peu serré quand je m'assois. Mais il est grave beau. Donc voilà, ta note. 6-7. 6-7. Non, en fait, parce que viens. Je sais pas, c'est bizarre que ce soit là et là. Enfin, je les déchiffre un peu. Vas-y. Mais 7, vas-y, 7. Vas-y, mais 7. Du coup, autre tenue, ce short qui vient toujours de Seiya, taille 38. Un peu short brésilien, pour le coup. Mais vas-y, le bronzage, il sort bien. Et ça c'est un haut que j'ai pris dans un supermarché. Enfin bon, c'était un supermarché où il y avait tout. Et du coup j'ai pris ça, je sais pas si c'est une brassière ou un haut. Ok l'étiquette. Mais il est super beau. Genre là comme ça, là je pète. Là je sens que mon bronzage il sort. J'ai arrêté les deux. Le short d'abord. Le short 7. Ok, et le haut 8. 8 et demi. Ok, je valide. Du coup, autre haut, je voulais mettre ma main parce que c'est un peu transparent. Mais du coup, je voulais des débardeurs comme ça pour aller au lycée avec. Avec un soutien, du coup. Et ça, c'est toujours Seiya et c'est taille bébé. Comme c'est trop chou, c'est un peu long, je dis 6. Ouais. Ça mérite un 6, mais bon, c'est pour aller à l'école, quoi. Autre haut, bon, je garde le short, hein, comme je vous ai dit, pour essayer les autres hauts. Celui-là, vous l'avez déjà vu sur TikTok, normalement. Et c'est du M, toujours dans la sorte de supermarché. Ta note ? Bon, c'est toujours la même note, mais 8,5. Ok. Elle veut pas lâcher le 10, hein, elle veut pas. Bon, autre haut, ouais, il est magnifique. Je suis désolée, il est magnifique. Il est un peu grand. En fait, il y avait que du P. Et en haut, je mets du PP. Mais je voulais trop, du coup, j'ai pris. J'ai pas coupé ça, j'ai pas coupé l'étiquette. Mais n'empêche que il pète. Je crois que le concert de Shenseea. Du coup, la note. Il est grave beau, je mets 9, sauf qu'il est très sexy. Donc, je sais pas où tu vas aller comme ça, mais bon. Ok, je garde le 9, petit piercing, petit bronzage, punta cana, voilà. Du coup, autre haut, pareil pour aller au lycée, toujours Seiya, toujours M, transparent parce que j'ai pas de soutif, mais il est trop beau, en plus c'est écrit en portugais, en mode le véritable amour et l'amour intérieur. Du coup, bref, il est stylé. Alors 7. Ok, j'accepte. Du coup, autre haut, toujours dans le même mood, il est super beau celui-là, violet, ma couleur préférée. En fait, il y avait une pile, enfin genre une table où il y avait plein de t-shirts comme ça, j'en ai pris 3 au hasard, juste ma taille, pour aller au lycée, puisque voilà. Du coup 8. Ok, du coup, voici le troisième haut, bon, il est froissé, mais voilà, vous l'avez certainement vu dans le vlog d'ailleurs. 6. 6. Ah oui, là c'est des lunes en mode... T'as capté. Ça du coup c'est le seul haut Zara que j'ai noir. Et dites-vous, à la base il était à ma mère. Et je l'ai mis pour voyager et elle s'est rendue compte qu'en fait il m'allait. Du coup c'était trop petit pour elle. Du coup c'est revenu à moi. Mais bref, haut noir basique, je pourrais le laisser avec. 9, vas-y. Ah 9 pour ça, hein. 9 non, pour non, un t-shirt noir. Si. Vas-y. Du coup, il y a celui-là. Ça, obligé, vous avez la ref. On l'a volé sur le mannequin. Dans le vlog, quand même. Donc j'aime trop. T-shirt manche longue,
en mode surfeuse, voilà, c'est ma cam. 8,5. Ok, non, franchement, il est stylé. En mode lycra, bon, il est trop grand pour moi, mais on calcule pas. Du coup, j'ai acheté deux caleçons en mode, de, je sais pas si on dit caleçon papy, caleçon américain, je sais pas. J'en ai acheté deux, comme ça. C'est le premier, j'aime trop ça. Hein. J'aime trop les caleçons comme ça, genre là, t'es trop à l'aise, là, t'es en mode, voilà. Âme sensible, ça peut s'abstenir. Ça, du coup, c'est le deuxième. Moins ouf, mais voilà. Ah, j'ai même pas noté. Notre premier. Le 7. Et lui 6. Là, on passe à mon petit chouchou, mon pyjama Stitch. C'est une robe de nuit. Bon, j'ai laissé le short en dessous quand même. Mais voilà, je la kiffe. La 9. Ouais, en plus, elle le voulait trop. Mais je crois qu'il avait pas sa taille. Ouais, il avait pas sa taille. Il avait pas sa taille. En pyjama aussi, il est pas là. Mais il y a la robe de nuit, vous savez, où il y a numéro de téléphone, mon lit m'appelle et tout. Note. Ouais, 10. 10 parce qu'elle a le même. Donc, si vous savez pas de quoi je parle, faut regarder les vlogs. Carrément, j'ai honte de montrer. Je vous explique. J'ai vu la robe sur le mannequin, j'ai dit waouh. J'ai pas essayé, j'ai pris P, j'aurais dû prendre PP parce que là, la robe, voilà. Je veux bien, elle est sympa, elle est rouge, elle arrive jusqu'au pied, hein, pour ceux qui ont pas vu. Mais, enfin voilà. 400 gants. Je la mets en vente. Vinted. Non mais les gars. Frère, regarde, t'es mal la robe, c'est dupé. Attends, fais voir un truc. D'ailleurs, elle rentre dedans, on rentre à 4 dans la robe. Genre, c'est abusé, c'est abusé. Ouais. Vas-y, j'ai le seum. Bon, là, il y a ce bas-là en crochet, pour des raisons évidentes, vous vous doutez que je vais pas vous le montrer. Mais c'est des, vous savez, les bas qu'on met sur les maillots. Là, il est déterré à fond. Pour ça, il est grand, mais il se serre. Et voilà. Mignon, j'en avais besoin, chou, tout ce que vous voulez, en crochet. Je sais pas pourquoi je reste dans cet accoutrement, mais voilà. Ensuite, j'ai acheté des chaussettes et plein de sous-vêtements que je ne vais pas vous montrer, évidemment. Mais dans le supermarché, je rigole. Dans le supermarché, on s'est donné, hein. On a acheté au moins 15 culottes par personne. C'est abusé. Ensuite, du coup, bon, j'ai remonté la robe, vous allez m'excuser. Hein. Niveau accessoires, on a des sacs à main. Il y en a plein encore que ma mère elle a pris. Mais on vous montre que ceux-là qui sont vraiment à nous, on va dire. Donc il y a celui-là, le noir, vous m'avez certainement vu avec. Il est trop beau. Je sais pas, il vient d'où. Je vais pas vous mentir. Je dis 8. Voilà, 8, mais je sais pas, il vient d'où. Ensuite, il y a le violet qui est en réalité à ma soeur. Il est trop beau. On dirait vraiment un Jacquemus, mais qui n'est pas un Jacquemus. Mais il est trop beau. Violet, c'est ma couleur. 9,5. Et il y a ce sac-là 10. En mode crochet rose qui est à ma soeur aussi. Il est trop beau. Je suis désolée. En plus, elle a des lunettes roses. Elle a des lunettes de star. Faut regarder le vlog. Et du coup, ça va trop avec. Donc, trop beau. du tu coup. Tu penses les micros, mais. Ouais, allez, viens, fais une apparition. Si, ouais. Bon. Alors, du coup, nos fameuses crocs, on vous les a tellement montrées, mais on vous les remontre. Elles sont trop belles. Donc, voilà, elle a du rose, du coup, qui va avec son sac. Et on aime trop. On a acheté pour mon père, pour mon frère, pour un ami, pour ma mamie, tout le monde en a, ma mère, vraiment tout le monde a des crocs maintenant. On a acheté 7 ou 8. Ouais, 8. Mais franchement, elles sont trop belles, c'est la classe. Alors celle de loin, je mets 9, les miennes 10 parce que c'est les plus belles. Ok, side eye, bombastic side eye. Ensuite, je crois que le cadre va bouger, mais elle a commencé à toucher la caméra, vas-y. Du coup, ces talons-là. Alors déjà, je veux même pas que vous parliez de oui, c'est moche et tout, vous connaissez pas. C'est du vert. Talons en mode comme ça, on ose. Ici on ose. Bref, du coup, c'est des talons verts. Là en mode pailleté. Je vais les essayer sur mes pieds, mais faut pas juger mes pieds. Je suis un peu timide. Bon, après réflexion, je vais pas vous les montrer. Si, arrête, mon mais non, je vais pas vous les montrer sur mes pieds. Mais vas-y, j'ai pas attaché. Mais voilà, c'est tout ce que vous verrez. Ni plus ni moins. Voilà. Non, ça c'est pas dans le hall du Brésil, mais je suis un peu pâle. Ah, c'est mon ciel. Vas-y, je suis un peu fan de l'été N rose. Voilà, qui me peut là. Voilà mon stylet que mon père m'a acheté, il est trop beau. Enfin, en fait, ça. Je sais pas si vos petits frères ou soeurs ils sont dans ces trucs comme ça. Apple Pencil. Elle est dans les bails de pencil sur sa tablette, elle tapote et tout. Faut me dire si c'est la seule ou pas. Genre vraiment, elle est comme ça. Arrête, tu penses. Je veux dire que c'est fini la vidéo, frère. D'accord. Bon, elle était pas sur cette là, mais finalement elle nous rejoint. La vidéo est terminée. On espère que le haul vous aura plu. N'hésitez pas à mettre quand même dans les commentaires ce que vous avez préféré. Et un like. Ah, ça fait trop bizarre. Un like, ça fait trop bizarre. Like, abonnez-vous. Voilà, bisous les sons. Ciao. J'arrive pas à goûter. T'inquiète, t'inquiète.